Hey yo tout le monde, c'est Monsieur J'ai le micro, c'est Thiob. Je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouvel épisode de Satisfactory. Aujourd'hui donc, on est revenu au niveau de notre lieu de production. Et aujourd'hui qu'est-ce qu'on va faire à votre avis? Roulement de tambour. On va préparer la production de plaques de fer renforcées. D'ailleurs on va pas préparer parce qu'on va mettre en place la production de plaques de fer renforcées. Normalement j'ai tout ce qu'il faut. Au niveau des ressources. Peut-être pas au niveau d'énergie. Ça va le faire. Alors, qu'est-ce qu'il me faut? Il me faut, donc dans un premier temps, il me faut déjà du minerai de fer. Donc ça va. Ça, on a le minerai de fer, donc c'est très cool. Qu'on va faire fondre. Hop, donc notre minerai de fer qui va devenir des lingots de fer. Il va me falloir 4 fonderies. Comment ça s'appelle? Au fourneau maintenant. À partir de là, il va me falloir des constructeurs. Pour faire des plaques de fer, donc 3 constructeurs qui vont me prendre 90 plaques de fer et qui vont me faire sortir, qui vont prendre pardon 90 lingots qui vont me faire sortir 20 plaques de fer et 2 constructeurs pour faire des plaques, des barres de fer. Donc ça va me faire, ça va me prendre mes 30 lingots de fer restants. C'est ça. Ça va me faire 15 plaques de fer, 30 barres de fer, pardon. À partir des 30 barres de fer, je fais 120 vis. Et à partir de tout ce bazar, je fais donc 2... comment ça s'appelle ce machin là? Deux assembleuses, voilà. Qui vont me bouffer toutes mes vis et toutes mes plaques de fer. Ça me fera sortir au total 10 plaques de fer renforcées par minute. Ça me va. Ça me va, écoute, pas besoin de plus pour l'instant. Alors, donc on va poser tout ce bazar. Hop. Maintenant, au fourneau. Ils sont à peu près assemblés, impeccable. Là, tac, 1, 2, 3. 4 ça on va vouloir des répartiteurs de convoyeurs. Voilà. Tout ça je peux alimenter comme ça, c'est bon. Hop. Voilà. Ah oui, alors on va peut-être mettre un goût de fer, hein. Copier coller. Coller. Ensuite, 3 constructeurs. Hein, là, ça va être plutôt simple. Du moins pour cette partie-là. Simplement, tout ce qui sort entrera là-dedans. Voilà, donc barre de fer. Plaque de fer, pardon. Ça ira là. Hop. On va relier aussi à l'élec, hein, faut pas déconner. Qu'est-ce que je fais? N'importe quoi. Voilà. Tac. Tac. Ah, c'est allé se foutre sur la fourre derrière. Ah, c'est pas mal ça. Bon. Toi. Paf. Toi. Voilà. Et oui, voilà, on va alimenter tout ça. Voilà. Ici on va avoir 2 constructeurs, donc 2, tac, tac, hop, on va alimenter, même principe, mais eux feront comme on a dit, je me suis trompé, bah, et, merci, du, des
tige de fer. Non, répartiteur, tac. Voilà. Pareil, on en a 30 hein, qui sortent. Donc c'est très bien. Et les tiges de fer. Ah, il me faut, que j'en fasse des vis. J'en ai 15. J'ai oublié, attendez. Ça, 10. Ok. Donc que je regroupe. Je vais regrouper, mais je vais mettre. J'arrive pas à voir si je suis bien. Oui. Je regroupe, mais je suis à porte, ça se trouve par là. Je voudrais tasser un peu au moins dans ce sens là. Comme ça. Comme ça. Un. J'y étais, mais j'y étais. 3, voilà. Ah, pas terrible. On va resserrer un peu de chemin de bique. C'est que là, j'ai un. Un groupeur, et là, j'ai. Normalement on est bon. Ça fait ultra serré, je suis d'accord. Normalement on est bon. Voilà. Là je demande de faire de la vis. Copier-coller. Oui. Il faut aussi que je fasse les poteaux. Bah alors. Hop. On va y arriver. Voilà. Chauffe Marcel. Donc on a nos vis qui sortent d'ici, on a nos plaques de fer qui sortent de là. Pour les plaques de fer, c'est... J'ai fait une bêtise là, non ? Ouais. Ça va pas là. Hein. Ok. Donc pour nos plaques de fer, on va... reprendre, ça fera comme à 60, donc on peut ça. Donc on va tout grouper. Eh, je me suis trompé. Oui, effectivement, je me suis trompé. Hop, on va tout prendre au niveau des plaques de fer qu'on fera venir pour l'instant comme ça, je sais pas encore où. Ici, même principe, on va tout grouper. Voilà. Et bah les deux vont être divisés par deux. Là pour le coup c'est simple vu que j'ai que deux assembleuses. Comment que je vais faire mon machin? J'ai envie de les mettre par là les assembleuses. Ici je trouve que ce sera bien. Oh, combien en largeur? Oh, un peu plus d'un. Oh, c'est pas centré, c'est pas beau, j'aime pas. Si c'est centré hein. Attends, c'est chelou. Elle prend... Ah, un plus machin, un plus... Oh, c'est moche.
Oh, sniff. Bon. On va faire ça. Voilà, plus machin, ça sera bien. Donc. Ok, je sais comment je vais m'y prendre. Là. On a un répartiteur qui vient là, c'est très bien. Ça arrive là. Ça, on va surtout dire plaque de fer là, les deux. Ok. Ici, même principe, le répartiteur. Je suis pas en face. Oh, c'est ballot ça. Oh, ah, mince. Bon. C'est pas bien grave. Hop. Donc là, les deux sont alimentés. Ça, on va dire que ça va là. Et ça va là. Voilà. Bon, ce petit truc là qui est en virage, c'est un peu dommage, mais c'est pas bien grave. À la rigueur. C'est quoi ? On va tricher à peine un tout petit peu. C'est que là, c'est pas bon. Là, c'est comme j'étais. Non. Comme ça, voilà. Voilà. Tiens, j'étais à court de matériaux pour un truc. Oh oui, bah disons les plaques de fer là, pas fou hein. Tout pile ce qu'il fallait en plaques de fer hein. Bon, ça va qu'il y en a pas loin. Je pensais être bon, mais pas tant que ça. Là j'ai tout au niveau du reste, j'ai du câble et du lien. Ensuite, le seul truc qu'il me faudra c'est ça. Ah. J'ai pas pensé à ça. Bon, c'est pas bien grave. Au niveau de la hauteur, ça donne quoi? Ça donne une toute petite différence. On s'en fout. Voilà. Elle est-elle alimentée? Pas d'alimentation. On va alimenter, ça va tourner, ça va augmenter la conso. Là ça va en MK2, tout ça c'est du MK2, ensuite c'est redivisé en deux, donc on s'en fout, ça sera... Ça partira sur du 60. Ok, impec. Comme d'hab, on va vérifier que tout tourne. Donc les deux du centre, oui. À gauche, à droite également. Oh, j'ai pas été bon là. J'ai un nouveau démon. Les constructeurs du centre, oui. Celui-là, oui, il a bougé aussi. Et celui-là aussi, aucun impec. Voyons voir. Celui-là, oui, il fonctionne. Il fonctionne. J'ai pas fait de point d'arrivée. Ça, c'est un peu couillon. Alors, on va faire un petit groupeur. Construisez 5 km de convoyeur. Un succès. Yes. Déjà. Ouais, mais ça doit être avec ce que j'ai démoli, non? C'est pas... Je suppose que ça doit pas être... accumulé. Ok. Maintenant, est-ce que ça fonctionne? Alors, attendez, la lumière. Oui. B. Le B de torche. Oula, il y a bouchon, là. Pas d'alimentation. En effet, j'ai possiblement oublié d'alimenter ma machine. Donc, un poteau là, un poteau... Ah oui. Là c'est un peu couillon ça.
un poteau. Eh ? Ah oui, d'accord, il y a un petit loupé là, c'est pas grave. Un poteau. Là, un poteau. Là. Voilà. Non, il n'est pas alimenté lui. Ah oui. Petit oubli de ma part. Voilà. Là ça tourne. Voilà, là ça tourne également. On va vérifier que ça. On va regarder nos premières sorties de plaque de fer renforcée de manière automatique. C'est bien. Bon, 5 par minute, hein. C'est pas non plus la grosse prod. Donc hop, le premier, le deuxième là qui arrive. Bon, c'est tranquille, hein. Tranquillement, doucement le matin, pas trop vite le soir. Hein. Hop, allez, deux. Impeccable. Donc on a déjà fait toute notre production de plaques renforcées. Et devinez quoi, ça nous a pris un quart d'heure. Je pensais que j'en avais pour beaucoup plus de temps. voilà, vite fait, on va prendre un truc. Donc, ce que je vous propose de faire maintenant, oui, je voulais faire ça aussi. J'ai foutu 2-3 trucs là dans le broyeur là, et on va débloquer ensemble le nécessaire à voilà, pipeline. Acheter, impeccable. Ce qui fait que quand on retournera pour améliorer notre production d'électricité au charbon, on aura de quoi faire ce qu'il faut au propre, parce que là c'est bon, j'ai tiré les pipelines un peu comme un gros dégueu. Je suis pas fan. C'est bien en solution de temporaire, on va dire. Après bof. Oui, je voulais voir ça aussi. Je voulais voir. Il nous reste maintenant une construction. Oh purée, oui, c'est vrai. 3. Oh. Ouais, bon. Alors. Faire un cadre modulaire. Oh, c'est terrible ça. Il nous faut une production de cadre modulaire. Oh, c'est chiant. Ah ouais. De tôle de cuivre. Vous savez quoi, on va faire les tôles de cuivre. Vous savez quoi, je ne sais pas où il y a du cuivre. Voyons voir. Cuivre, on va essayer de trouver un gisement de cuivre pur. Alors pas les deux qu'on a à côté, bien évidemment. Et là, ça va très vite loin. Hein. Normal. Impur. Hop, impur. Ouais. Ah, vaché. Bah alors, j'ai que ça. Ah, c'est terrible. Bon, apparemment j'ai un truc par là-bas. Ok. Bon. Je pense avoir les matériaux nécessaires à peu près. On va dire que moi, je vais quand même reprendre un peu de câble. Tiens, tac ça. De câble de fil électrique. On va aller rechercher un pouya. Et bon bah du normal, on va utiliser une source de production de cuivre normal. Apparemment on a pas mieux. J'ai ce qu'il faut ou pas, je prends quelques plaques de fer. Parce que j'ai pas forcément ce qu'il faut. Oui, d'ailleurs aussi, tiens, pendant que j'y suis. On verra ça plus tard. Ne prenez, j'ai rien dit. Donc, et dites, mais il commence à m'utiliser des trucs, mais il finit pas. Désolé. De toute façon, je vous ai même pas dit ce que c'est, mais j'en dirai pas plus. Voyons, j'aimerais bien descendre là. Ah, je suis pas en mode.
J'ai bien envie de descendre, on avait vu que le cuivre était par là-bas. Ouais, je suis en zoop, oui, c'est bien. Il y a un passage, ou est-ce que c'est un peu plus sur la gauche? Ah non, c'est vraiment... Ah oui, c'est vraiment là, quoi. Bon. On va essayer de faire ça... Putain, j'ai fait une peine. On va essayer de faire ça un pouilla plus propre, quoi. Parce que là-bas, même pareil, c'est impur, ça. C'est encore pire, quoi. C'est le truc qui est impur. Je pensais qu'il y en aurait un peu plus. Bon. Donc, avec un peu de chance en plus, ça arrivera pile là. C'était chaud. C'est quoi déjà? Oui, c'est ça, la touche. Bon, c'est à peu près en face. Bon pour la hauteur, hein. Ça m'a l'air pas dégueu. J'en peine trop. Vraiment à peine trop. Oh merde, fait chier ça. Oh, pas de bol, j'ai freeze au même moment. Samples of unknown alien species acquired. It is unclear where on the flora or fauna spectrum it lies, okay. But initial data suggests this might be a nest, ouais, or an egg. Research the remains in the MAM to establish classification and potential countermeasures. Ah, les tôles de cuivre. Et c'est vrai que pour la tôle de cuivre, avec les recettes que j'ai actuellement, c'est pas non plus terrible, 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 quoi. Bon. Non, c'est pas ça que je voulais, c'est ça. Non. On va voir si je peux mettre une rampe de 1 mètre. Tac, 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 tac. Oui, ce sera bon. Allez, un petit fourreau portable. Établi. Ah, oui. C'est marrant, tiens, j'ai récupéré des minerais. Production. De cuivre. Ah bah oui. Tiens, tu sais quoi. Hop. Mais bon. Non mais on est bien, on est bien. Ça, bon, c'est pas très très beau, mais c'est pas un gros problème, quoi. Excusez-moi, je me mouche. Merci de votre patience. Ça fait du bien de se moucher un peu. Bref. Oui, on va au niveau de la recette pour le tôle de cuivre. 20 égale 10. Donc. Ah ouais, quand même. Ah bah non, ça m'en produit 60. Donc j'ai avoir besoin de 3. 3 constructeurs. Ouais, c'est vrai que c'est pas terrible. Bon.
créer. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais mettre... C'est que je vais agrandir par souci de sécurité. Non mais je me suis déjà tellement de fois cassé la goule, donc c'est bon. On essaie d'apprendre un peu de nos conneries, quoi. Hop, répartiteur, pile entre les deux, SVP. Ouais, c'est à peu près là. Voilà, on va faire comme ça. What? Vraiment là? Oh. Mettre plus loin apparemment. Hop là! Hop là! Donc le répartiteur, un qui va là, un qui va là, un qui vient de là. On va peut-être faire l'alimentation, on dirait d'ailleurs. Hop, tac. Ah, oula, les gars, allez-y doucement. Comment ça? Et d'ailleurs, comment ça fonctionne ça? J'ai même pas d'électricité. Ah oui, non, mais j'en ai. Avec j'en avais foutu. Donc ça va être là exceptionnellement. On sait que j'en avais mis manuellement là-dedans, donc. Hop. 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 On branchera plus on branchera heureusement un peu plus tard. Tac, et ça. Voilà, impeccable. Là, j'aurais juste à relier un câble là. Et ça devrait être bon. Donc on avait dit il fallait 3 constructeurs si je me trompe pas. Oh, du charbon dans le coin en plus, c'est sûr. Oh bon, oui, oh là oui, 60 mètres, pardon. Ah ouais. Ah oui, bah oui, il est là. Ah oui, d'accord, ouais, c'est vraiment pas loin quoi. Ah, il y en a d'autres plus loin. Il y en a d'autres vraiment beaucoup plus loin. Ou c'est... non, c'est le mien que j'ai capté. Ah oui, d'accord. Bon, ça, on s'en fout. Donc, cuivre. Constructeur, on avait dit 1. 2 cuivre. CTRL-V, 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 hop. Là, ah bah oui, là j'ai pas de... j'ai pas de photo, donc ça fonctionnera pas. Là, j'en ai un. Attends, quoi, lui il en a pas là? Qu'est-ce que j'ai foutu? Ah oui, d'accord, oui. Voilà, effectivement, c'est mieux comme ça, toi. Voilà. Il me faut un groupeur et un répartiteur. Ça va faire au niveau du répartiteur. Ça devrait aller. D'accord, que je suis pas en face. Ah. Merde. Alors. C'est un peu chiant ça, tu vois. On va le faire comme ça. Hein. Là le groupeur. Hein. Ça marchera aussi. Hein. Sortir, ouais, sortir. Voilà. Et il n'y a plus qu'à mettre un regroupeur. Oh,
c'est vrai que j'ai beaucoup de ça là. Tac tac tac. Un conteneur. Il n'y a plus qu'à l'alimenter, hein. Donc, si je ne me trompe pas. Hop. Voilà. Ça, ça produit, on a vu là, j'ai vu des lingots sortir de là et de là. Ouais, ils en sortent plus, mais on va vérifier, on sait jamais quoi. Ouais. Ça sort des deux. On peut me placer s'il vous plaît, merci. Ça sort de là. Ça sort de là et ça sort de là. Impeccable. On a notre production de cuivre. Voyons voir, on en a combien de temps de rush? 30 minutes. Je pense qu'on peut proprement ça. S'arrêter là-dessus. Moi, pour le prochain épisode, ce que je vais faire, c'est je vais chercher un endroit où il y aura du minerai de fer pur, c'est possible, et que je vais préparer. Ah, bon, il y en a un qui a pas l'air très loin de là où j'ai mon cuivre. Et je vais regarder de quelle manière. Oui, il y a maman machin là qui est pas contente. De quelle manière on peut construire nos. Rotor. Attendez, j'ai un doute. Rotor, j'ai pas besoin de cuivre par hasard. Non, parce que si c'est le cas, il va falloir que je trouve du fer et du cuivre à côté. Voilà, alors là, c'est chiant. J'ai pas tout envie de centraliser, comme je disais, là ça va être un. Comme je disais dans les premiers épisodes, je veux pas du tout centraliser. Alors je ramènerai le tout, je centraliserai le stockage, mais pas la production. Non, je n'ai pas besoin de cuivre. Ok, ça c'est la bonne nouvelle quoi. Les cadres. Ouais, non, mais ça j'ai besoin de plaques de fer renforcées. Bon, ça va, la production de rotor est. J'ai envie de dire, c'est pas trop rotor. Bah. Parce que bah, en gros on va produire comment c'est 15, donc on va mettre 8 j'ai plus les termes, ça m'énerve, 8 constructeurs là de barres. Et ouais, bon, de toute façon j'ai pas assez. Tiens, on va regarder là vite fait. Voilà, pour les curieux. C'est 6 ou si c'est 8 les assembleuses. Au pire, j'en ai un rabat. Et non. Sans vis. Oui, mince. 20 et 100. Là, je vais avoir une production de. Là, c'est facile, 120. Ok. Je vais voir combien me prennent les vis. Et merci. 400. Oh, c'est chaud. 400, si je pars sur 2, ça fait 1, 2, 3, 4, 5, ça me fait 50. Euh,
Ok. Je suis à 90 de barres de fer consommées. Ah, on va pas tomber sur un chiffre rond. J'aime pas. On avisera. Ouais, pour 90, mais 90, ouais, c'est... il faut avoir une petite différence. Pour... Disons que ça tournera pas, voilà, ce qu'on va faire, la méthode qu'on va faire fera en sorte que tout ne tournera pas à plein temps. Mais j'aimerais bien que ce soit assez équilibré, donc on va se débrouiller. Moi, je vous remercie d'avoir suivi cet épisode, j'espère qu'il vous aura plu, et je vous propose de me retrouver très bientôt. Pour le prochain, je vous donne une belle vue et je vous dis à la prochaine. Saloperie d'antenne, tu parles de la belle vue, ouais, n'importe quoi. Bon, allez, c'était Job. Ciao.